Yop les potos, c'est Rage Gosse, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, moi ça va super bien les gars. Et on se retrouve pour un nouveau commentaire, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère que vous allez apprécier celle-là. Donc aujourd'hui nous parlerons de plusieurs sujets. Donc mais tout d'abord je vais introduire le gameplay. Donc le gameplay c'est quoi? Ce sera sur MW2 une double nuque pour changer. Donc avec la CR, donc ça change d'arme à chaque fois je crois en fait. Parce que la première fois que j'ai fait l'UMP, je n'ai dû en faire une peut-être à la Scarash, je pense comme ça, peut-être. Et celle-là à la CR, donc voilà. Donc j'espère que vous apprécierez, c'est du MW2, je pense qu'il y a pas mal de gens qui kiffent ce MW2, là pas de lobby, là rien du tout. Parce que moi je déteste les gens qui disent ouais je suis trop fort et tout, je fais une double nuque, le gars il a un gros lobby. Non vous inquiétez pas les gars, moi jamais vous me verrez avec un putain de lobby, M-Bot ou je sais pas quoi, visée radar, hein. Voilà tout ce que vous voulez. D'ailleurs je déteste les gens qu'on ont. Et d'ailleurs maintenant plus personne veut jouer contre moi parce qu'à chaque fois que là un gars qui... Enfin plus tous les lobbies ne veulent plus jouer contre moi parce que j'arrive à mettre des putains de nuques à des lobbies. Donc voilà ouais, comme ça, tu vois en gros il rage quitte, il me revoit, oh là là vas-y je rage quitte parce que ouais, il est trop fort, même avec mon lobby j'arrive pas à l'avoir. En gros même si vous avez un lobby, vous êtes, des fois vous êtes des gros plots et j'arrive quand même à me la mettre. Et donc voilà, donc franchement avoir un lobby ou pas avoir un lobby, enfin je trouve que... contre moi, enfin je veux dire ça va, j'arrive à y gérer. Et en petite parenthèse, si vous n'avez pas de level, ça sert à rien de faire un lobby, ça ne changera rien les gars, c'est, vous n'aurez aucun mérite de toute façon. Donc voilà, c'est petite parenthèse, ça me saoule un peu les gens qui ont des lobbies contre moi, qui me gâchent mes parties. Donc voilà, donc aujourd'hui nous allons parler de deux petites choses, enfin, la dernière sera juste une petite parenthèse. Donc la première, ce sera mon application Android les gars. Donc oui, mon application Android les gars, donc je répète les gars, c'est quand même un peu mon site si vous voulez. Sauf qu'en fait si vous voulez vous allez pouvoir sur votre téléphone, votre Android ou iOS, ça dépendra de ce que vous avez, genre iPhone, smartphone, je sais pas ce que vous avez. En tout cas ça marche sur les deux, et même tablette les gars. Et donc voilà, vous allez pouvoir avoir une application spéciale sur ma chaîne, sur moi en gros, si vous voulez pouvoir me suivre vraiment plus facilement et plus activement on va dire. Dès que je ferai un truc vous serez au courant. Il n'y aura pas de notification parce que de toute façon c'était payant cette fonction là, donc moi je vais pas payer pour pouvoir vous envoyer des notifications qui allaient vous faire peut-être chier ou spammer, j'en sais rien. Je suis pas un spammer moi, peut-être vous le savez déjà si vous m'avez sur Skype ou tout comme ça, je suis pas un spammer. Et en tout cas d'ailleurs j'aime pas ces gens là qui me spam les gars, petite parenthèse à hein, tous ceux là qui m'envoient des vidéos que je regarde jamais d'ailleurs. Donc voilà donc voilà, je vais vous parler de cette application. Donc tout d'abord sur cette application les gars, il y a plusieurs fonctions. Donc mes vidéos upload, mes dernières vidéos upload. Donc faut savoir que toutes mes dernières vidéos upload sont upload sur cette sont visibles sur cette application. Je crois que peut-être une demi-heure après limite que je l'upload ou direct, ça dépendra des fois le décalage. En tout cas sur cette application vous verrez tout. Ça se mettra à jour en fait si vous réteignez l'application, un truc comme ça, tu vois. En tout cas, ça se met à jour à chaque fois que vous éteignez l'application et vous la remettez. Voilà. Après, elle aura mon Facebook. Donc, vous pourrez voir tous mes messages que j'ai mis sur Facebook. Mais vous ne pourrez pas voir, par exemple, si quelqu'un me met un message sur Facebook. Donc, enfin, tous mes messages, tu vois, que je mets en statut, voilà. Par contre, dès que quelqu'un m'identifie, vous y verrez pas. Comme ça évitera tous les spams. Donc ça c'est bien fait. Par contre le Twitter c'est pareil, ce sera tout moi, tous mes messages de moi que j'ai écrit moi. Donc voilà, après Laura aussi j'ai rajouté la section site de classement. Donc en gros c'est le site que j'ai parlé la dernière vidéo qui est dans ma, pas dans ma subbox, en superposition avec ma bannière les gars. Vous pouvez voir, vous y allez dessus sur ma chaîne, comme ça vous allez voir la page de ma chaîne et sur ma bannière, c'est à dire la grande affiche rectangulaire là, la plus grande en fond. Et bien sur ça, tout en bas à droite de ce truc là, il y a écrit en gros même, site de classement, perf, comme ça, code, je sais plus ce que j'ai mis, COD je crois. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir ce site de classement et vous pouvez regarder le classement des meilleurs performeurs et tout, je crois que vous l'avez déjà vu. De toute façon, si vous êtes allé voir la dernière vidéo, vous avez déjà vu ce site de classement, mais sinon, allez le voir les gars, ça va relancer la performance pour moi, c'est vraiment un truc, un bon projet si vous vous mettez tous du tien, les viewers et tout, même les performeurs. Donc voilà, voilà, alors à la section site de classement, vous pourrez même mettre votre gameplay dessus. Enfin, c'est pareil, c'est le site, mais sur portable, voilà, c'est la même chose. Donc, quand vous cliquerez dessus, vous serez dessus. Après, elle aura le portfolio. Pourquoi j'ai un portfolio, les gars? À quoi ça sert? C'est parce que il n'y a pas longtemps, les gars, je m'étais lancé dans les miniatures, dans le miniature maker un peu. Bah, je suis pas vraiment à fond dedans parce que je suis pas très actif sur ma chaîne, donc j'ai pas le temps de faire des miniatures pour les gens non plus, encore moins, tu vois. Donc voilà.
Donc c'est pour ça que là vous pouvez voir tous mes styles de miniatures que je fais sur ma chaîne un peu. Si ça vous intéresse, vous pouvez en prendre pour vous. Puis voilà, vous pouvez m'en commander. Par contre, ce sera 2€, je crois, je sais plus, les 5, un truc comme ça. Je fais ça comme tarif, mais bon, j'accepterai que si j'ai le temps, parce que voilà, c'est pas parce que je dis que je fais ça que j'ai forcément le temps. Donc après, faut vraiment me demander à l'avance, faut pas me demander pour les 5 minutes qui arrivent, tu vois. Voilà. Donc je pense que ça vous fera plaisir, cette application là. Donc comment l'avoir, cette application, ça j'ai pas dit. Donc ça c'est, peu importe, vous êtes sur iOS, vous êtes sur Android, vous allez sur le lien qui sera dans la description. Donc ce sera le lien, je vais vous le dire tout de suite, comme ça vous n'aurez pas à chercher mais c'est lequel le lien. De toute façon vous aurez une petite description, voici le lien de mon application, de point, voilà, vous cliquez sur le lien. Et il faudra bien sûr ouvrir ce lien là avec votre portable ou tablette, je sais pas avec quoi vous allez l'ouvrir, mais en tout cas pas avec votre ordi, sinon ça marchera pas. Vous aurez le fichier APK sous votre ordi et vous pourrez pas l'utiliser, en tout cas vous pourrez pas avoir comme une application sur votre ordinateur. Donc faudrait que je fasse un site internet peut-être à la limite pour moi, pour ma chaîne et tout, la même chose mais sur l'ordi. Mais bon, l'application, je pense, ça suffira déjà dans un premier temps parce que c'est vraiment le plus pratique. Et donc voilà. Donc alors j'en étais, alors quand vous ouvrez le lien avec votre portable, donc le lien ce sera http://rage-ghost.mobapp.at. Donc ça ce sera le lien en fait de téléchargement. En gros, dès que vous l'ouvrez ce lien, ça va vous télécharger l'application. Et ça va vous demander, quand vous allez une fois la télécharger, quand vous allez ouvrir ce fichier téléchargé, ça va vous dire, vous pouvez pas l'installer parce que vous n'avez pas le droit en fait. En fait, vos portables vous demandent l'autorisation. Il va falloir désactiver en fait le truc source, en gros. Autorisation, l'installation d'applications qui n'est pas de Android, un truc comme ça, ou pas d'Apple. En fait, il faudra désactiver cette option de source, je sais pas quoi. Ils vont vous dire d'aller dans les paramètres de sécurité et d'aller décocher le truc source. Vous le recocherez bien juste après, bien sûr, parce que sinon vous allez avoir des merdes qui vont s'installer sur votre portable. Et donc va falloir faire ça, vous inquiétez pas, là aucun hack, là aucun virus, là rien du tout, vous inquiétez pas, vous pouvez me faire confiance pour ça. De toute façon, si vous m'aurez pas fait confiance, ça fera un moment que vous ne serez pas abonné à ma chaîne. Je suis pas comme ça, de toute façon, vous savez très bien, j'aide des gens, je défonce pas des gens, enfin c'est l'inverse. Je préfère aider des gens que leur cracher dessus par rapport à beaucoup de youtubeurs et tout, beaucoup de gens sur YouTube. Et donc là, quand vous allez décocher des trucs, vous pourrez vraiment faire confiance, ça va vous installer uniquement l'application. Donc voilà. Et après, oubliez pas de recocher le truc. D'ailleurs, pour vous donner une rentabilité de confiance, je sais pas comment vous dire, pour si vous savez pas. D'ailleurs, ça fera un peu une pub à cette chaîne communautaire qui est la mienne. Donc oui, j'ai une chaîne communautaire si vous voulez les gars. Et cette chaîne communautaire, elle reverse des sous aux associations pour aider les malades, les enfants, les personnes handicapées, tout ce que vous voulez. Et donc voilà, c'est vraiment le but d'aider les autres, mais gratuitement, bénévolement, je sais pas si vous voulez. En tout cas, cette chaîne là, si vous voulez la voir, elle est dans ma subbox les gars, c'est là veut dire les chaînes qui sont sur le côté de ma chaîne. Quand vous allez sur ma chaîne, c'est écrit subbox et top 10 des abonnés actifs, un truc comme ça peut-être. En tout cas, ce sera dedans, elle s'appelle Union Family. Donc voilà, son nom porte bien son but. Donc voilà, aider cette chaîne, voilà les gars. D'ailleurs, je vous remercie pour les 500 abonnés de cette chaîne. Et voilà, ça m'a vraiment fait plaisir, 500 abonnés. D'ailleurs, qu'on s'était fait hacker à ce stade-là d'ailleurs. Parce que là, on avait déjà fait une chaîne, cette chaîne-là, qui avait monté en 3 semaines aux 500 abonnés, parce que tout le monde s'était mis à aider. Et tout le monde l'avait laissé, les gars, à l'abandon, parce que on s'était fait hacker, on a dû la recommencer, et personne n'est venu nous aider. Et on a remonté aux 500 abonnés, les gars, donc je compte sur vous pour revenir nous aider. Donc voilà, donc la vidéo va bientôt se terminer. J'espère qu'en tout cas, vous aurez aimé mon commentaire. Pour une fois que là je pense que ça va, j'ai assez bien commenté pour un petit retour, parce que c'est ma deuxième vidéo depuis mon retour. Et la première vidéo, j'étais pas très super serein parce que voilà, c'était la première vidéo et puis ça faisait plus d'un mois que j'ai pas commenté les gars. Donc là je pense que ça ira. Et voilà, pour la prochaine vidéo les gars, je parlerai sûrement de Clash of Clans les gars. Oui, j'avais déjà parlé de ce sujet là, mais là ce sera pour parler un peu d'un deuxième sujet sur Clash of Clans. Donc voilà, je pense que ça va vous plaire pour tous ceux qui jouent à Clash of Clans. Je pense que ça va, ouais, voilà, ça va vous plaire. Et donc les gars, sinon je vais terminer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez mettre un petit j'aime, ça fera vraiment plaisir, comme ça je vois vraiment tous les viewers qui ont apprécié cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, de la commenter et de la partager. Ça m'aide quand vous partagez les gars
enfin voilà, entretenir une bonne communauté, enfin je veux dire à partager à un max de personnes si vous voulez, à un max de personnes qui viennent de voir ma vidéo, ça me un peu, ça me récompense. Si vous vous dites par exemple ce youtubeur il mérite un peu plus d'abonnés, je sais pas quoi, n'hésitez pas à partager cette vidéo franchement à vos potes, même à vos potes que vous connaissez dans la vie réelle et tout, ça me fera vraiment plaisir les gars. Donc si vous avez suivi jusqu'au bout, c'est à ce bout de commentaires les gars, jusqu'à ce moment là de la vidéo, je vous demanderai de mettre un petit hashtag application ghost les gars. Pour dans les commentaires les gars, n'hésitez pas à commenter et mettre vos impressions aussi et tout ce que vous avez retenu de cette vidéo. Voilà, vraiment faites-moi plaisir les gars, partagez, soyez actifs, soyez comme vous êtes. Voilà les gars, restez bien comme vous êtes les gars, vous êtes les meilleurs abonnés parce que voilà, j'atteins vraiment un certain nombre de likes par vidéo et aucun dislike, ça me ferait vraiment plaisir. Bref les gars, voilà, je vais conclure cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu comme je le disais tout à l'heure. Allez les gars, c'était Rage Ghost, à une prochaine vidéo. Peace.